Salut, c'est samedi. Ah, je vois, je vous prends, je vois qu'il y a peu de pile. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on est super content. Tiens, ciel bleu magnifique et il fait 10 degrés. Ça y est, enfin, les amis. Hier, c'était la dernière journée de galère, de froid, de nuages. Normalement, c'est bon. Par contre, aujourd'hui, on fait rien de spécial parce que ben, Fred, il a fait la nuit en supplémentaire hier. Du coup, ben, là, il dort. Là, il dort. Et cet après-midi, ben, on va juste aller faire deux petites courses qui manquent, salade, des trucs comme ça. Et puis, on va aller au parc pour Nathan, je pense. Sous le beau ciel bleu comme ça. Ah, c'est pas grave, on va bien quand même. Et demain, on verra. Je pense qu'on partira la journée, on va voir ça. Donc, je suis super contente. Hein, Nathan, donc moi, je suis prêt, tout ça. Les 10h30 du matin. Nathan, coucou. Il est encore en pyjama là-bas. Il va se traîner un petit peu. Donc voilà, j'allais préparer à manger pour le dîner pour nous. Hein? T'as faim, ouais, mais 10h37, on va manger à 11h, c'est pas grave. Voilà. Peut-être que je voulais dire, regardez, j'ai mis les. Là, vous voyez pas. J'ai mis les boucles d'oreilles de Nathan, il était content. Ça fait vachement bien. Et donc voilà, bah écoutez, les amis, c'est samedi, alors je vous embarque avec nous. Même si aujourd'hui, c'est peut-être le spécial, on va voir. Bon, les amis, on a mangé, il fait super bon, ça fait du bien, même dans la maison. Dans cette pièce, j'ai 20. 20 au thermostat là, sans chauffage, sans rien. J'ai coupé les chauffages, ça y est, parce que c'était encore sur le. Que ça souffle un tout petit peu, parce que sinon j'étais quand même à 17 encore. Et là, vraiment, regardez. De toute façon, vous verrez tout à l'heure, mais. Et c'est marrant parce qu'il y a tout le monde. Ils voient un peu à plein de maisons différentes. Tout le monde qui fait leur jardin, qui sont en train de faire leur jardin, leur pelouse, leur cisse, leur. Ça, tout le monde doit se dire enfin les arbres, je vois qu'ils commencent à avoir des petites boules là, les feuilles sont en train de sortir et tout. Non mais tu vas me dire c'est fou mais ah, ça fait trop du bien, je suis trop contente. Donc vivement tout à l'heure qu'on aille prendre l'air, même si c'est pour juste les courses et le parc, c'est pas la meilleure des sorties, mais c'est pas grave, je suis quand même contente. On se prépare. Regardez-moi le, viens. Ah comme il est beau, c'est quoi ça? On met quand même le blouson parce qu'on sait pas trop. Enfin, en tout cas, on aurait mis un blouson, mais je sais pas si j'aurais mis la veste comme Fred. Ah mais t'attends. Hein, c'est classe, hein? On y va d'abord à Maxi, puis on prend des glaçons, on repasse par la maison. Attends, attends! Putain, il faut déjà la porte. Et après, il y a bien le parc. On ressort de chez Maxi. Putain, les amis, j'en ai marre. On devait juste acheter de la salade et on en a acheté pour 80 $. Hein? Non, combien? 90? 90 $, mais comme on avait 10 $ avec la carte Maxi, c'est bien ça. D'habitude, on attend d'accumuler jusqu'à 30 $, mais là, bon. Coucou. On a acheté plein de trucs. La Fred, il charge dans la voiture. Hein, il m'a dit qu'il faisait. On va passer à la boulangerie, s'acheter des trucs pour le goûter. Quoi? Est-ce qu'on pose les sacs à la maison ou pas alors? Parce qu'il fait chaud dans la voiture. Même si on les range pas. Oui, on les voit qui sont au frais. Et on file au parc pour l'attendre. Il fait oui, super beau, pas. Super bon. On a enlevé les blousons, hein? Ah si, on voit un peu. On a été là. Elle va lire, je pense. Marie-Pain. Et donc, d'un jour. Au parc. Oui, j'ai pris deux chocolatines et le meilleur fromage quick quick. Hein. De Saint-Guillaume, je crois que j'ai jamais mangé depuis la dernière fois un aussi bon. Donc voilà, j'ai pris le petit sac comme ça là, 2,55. Et on va le bouffer comme ça au parc. On va pas le manger pour une. Ou alors on le garde pour une. Non, on le bouffe comme ça là, on a faim. On a faim! Donc là, on passe par la maison, on pose vite les sacs de course, on file au parc. T'en es vraiment en retard. Hein. T'as besoin de mettre le GPS? Par là, je sais pas où c'est. Bah, tu retournes à gauche et après tu prends la rue de l'école. Ouais, mais là, on est proche de la maison là. Et donc on se revoit au parc et c'est déjà presque 3 heures. Je pensais pas qu'on allait avoir autant. En fait, on court, on devait juste aller prendre ça, comme je vous ai dit. Et finalement, on a resté 2 heures. Nathan! On est arrivé au parc. On porte le blouson à la main. Regardez-le! Il y a un truc de fossile. Ouais, on va faire ça dehors, au moins les petites merdes. Hein. C'est marqué, attention, confrère du savoir. Dommage qu'il y a un vent, donc on va se bouffer. Et des pains au chocolat, chocolatine. Les amis, il est trop bon. Il est vraiment bon, c'est le meilleur celui-là, le Saint-Guillaume là. Trop bon. Mmh, on régale. On fait bien ce couscous, il est. On a la chance, il est du 21, emballé du jour, il a été livré aujourd'hui.
Donc, et squeak quick maximum. Chocolatine au parc, les amis. Chérie est en extase aussi, hein. Bien. Ça coupe, hein. Ouais, on était dans le vent, je vous dis pas. Alors c'était... On rentre, on est quand même resté longtemps. Ouais, tu t'es donné la palme en coca, je t'ai pris un coca pour le parc. C'est super bon, pain au chocolat, tout ça. On était bon au soleil, mais par moment, il y avait du vent, et par moment, de temps en temps, le vent s'arrêtait, on était bien, mais dommage. Avec le vent, il faisait un peu frais. Ah là, dans la voiture, il fait bon. Donc voilà, on rentre à la maison. Je vais vous montrer ce petit retour de course. Et puis, après, ça fait du bien. On est assez loin de soi, longtemps. Ouais. Ainsi. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a pris chez Maxi. Pas mal de bêtises, comme pour changer. Non, ça va quand même, on a beaucoup de légumes. Hein, et tout ça. Donc, on a pris. Le truc qu'on prend jamais, des céréales, c'est vraiment rare. Ils étaient à 2$, donc c'était pas cher. Celle-là. On est notre Cheerios au miel. Au miel et aux noix. Celle-là, depuis le temps qu'on veut les essayer, pareil, c'était en spécial, le gros paquet, je crois qu'il était 4$. Pas cher, ça revient pas au même prix, c'était 2$ le paquet. Des 32 barres de Nutri-Grain comme ça. Ensuite, on a pris des graines de tournesol, mais déjà dans les salades, déjà sans la coquille là. Fred, ses bananes séchées et ça. Oh, ben, contre, il est pas mal en miettes, non? Mélange chinois. On a pris cette mayonnaise là. Un gâteau comme ça là, pour faire un carré au citron, mais en préparation. C'est pas embêté. J'ai acheté la mayo à l'ail rôti. Pâte d'ours brownie pour Nathan. En chips, on a pris, parce que normalement demain on va faire un pique-nique, donc j'ai pris barbecue. La marque celle-là là, j'adore, les rondelles d'oignon. Et ça, de la fois, on avait bien aimé. Et là, j'ai pris barbecue au miel. C'est deux goûts. Le petit pain comme ça pour des sandwichs. Et ben notre fameux comme ça, vous savez, pour tout et rien. Les sandwichs. Deux paquets de laitue Boston. C'est les meilleurs. C'était en spécial à 2$ au lieu de 3,50 habituellement. Donc on a pris deux paquets. Des fraises. Bon, alors c'est pas encore des fraises d'ici, mais j'avais envie de fraises, hein, que voulez-vous. Et ils sentent bon, ils ont l'air bonnes. Banane, pareil, enfin on a fait des bonnes affaires aujourd'hui, c'est beaucoup de chez Maxi, il y a la semaine à 2$ là, donc 4 poivrons comme ça pour 2$, enfin, pratiquement tout était en promo. Les carottes, pour faire purée de carottes à Nathan, j'ai envie d'essayer, je vois que passer en ce moment la courge spaghetti, j'en ai aucune idée, je vais regarder sur internet, si je la fais gratiner ou je sais pas, courge spaghetti. On a pris un oasis, donc c'était qu'à 2$ aussi. On a tous pris, franchement, smoothie sans lactose, sans sucre ajouté, pardon. Smoothie mangue tropicale. Les autres bouts qui avaient quelque chose avait coulé dessus. Bon, bref, laisse tomber. Et la nouvelle collection nature orange, framboise, ça par contre c'est du jus, ça c'est smoothie. En fait j'avais pris un deuxième, j'avais pris deux paquets, donc c'était qu'à 2$ les 4 poivrons, c'est pas cher. J'ai pris deux paquets, un œuf, du maïs comme ça, la fraise il en raffole. J'ai repris des courgettes, c'est pas donné, mais bon, 3,63 pour 3 courgettes, hein, c'est quand même 1$ la courgette quoi. Bref, et ça c'était en spécial, alors j'en achète, c'est la première fois qu'on en achète. Vu qu'on est ici, du fromage à déjà tranché pour les tamons, c'est cher habituellement. Là, c'était à 2$. Donc, on a pris du Suisse, mais de la partie. Mais pour ceux en France, par exemple, c'est quand même 2$. Il y a quoi? Il y a une, deux, trois. Je crois qu'il y a 5 tranches ou 6 tranches. Voilà. Mais bon, on avait envie là pour les sandwichs demain, tout ça. Donc, on va finir de ranger ça. Et attends, parce qu'on l'est tout le temps. Il a pris ça. C'est des petits trucs en fait, on fout dans l'eau du bain et après ça de suite ça prend forme comme ça. Donc voilà, ça l'amusera pour le bain. Je vais le cacher là parce qu'il a oublié. Hein? Sans rince. Attends, faut que je le cache quelque part. Ouais, mais je sais pas où le mettre là. Putain, attends. Ouais, il ouvre des fois le tiroir. Attends, je vais enlever là-bas. Donc je vous disais, j'ai sorti les. Là ce soir, on va faire courgettes. Courgettes au four. Courgettes au four. Ah putain, c'est ça que je veux dire.
Ah putain, j'avais aussi ça, je l'avais. Je vois que j'avais, je l'avais pris, je l'avais pris le bleu, là j'ai le numéro 2. Je l'avais acheté pour Pâques, mais il avait pas été correct à l'école, tout ça, et du coup je l'avais pas offert. Du coup, je sais pas qu'il y a ça là aussi. C'était son cadeau de Pâques, il l'avait pas eu. C'est pas grave, ça me servira pareil. Une autre occasion. Donc on va faire courgette au four. Ah, j'ai retrouvé. On ne lui avait pas donné le livre jaune. Je ne sais pas qu'on a ça. Sans compter tous les dinosaures, ça, dans la fois. J'ai une tonne de trucs en fait pour récompense. Je suis tranquille. On va se faire courgette, poivron, des champignons qu'il faut que je finisse. Ils ont commencé un peu à morfler là, mais je vais les finir. Au four. Avec du riz, à part. Oui? Tu pars en voyage? Oh mon dieu! Viens, viens goûter! Attends! On les a... En fait, donc la première fois qu'on les essaye, là, les céréales au. J'ai plus le nom là. Miel. Oui, mais c'est un nom, on m'en rappelle plus. Eh ben, ils sont bonnes! Viens! Regarde le difficile, attends. Je te promets que tu vas aimer. J'ai jamais vu un enfant aussi difficile niveau alimentaire que Nathan. Même des trucs que genre tous les enfants mangent. Si les bonbons, Nathan, il n'aime pas. Ben oui, il mange que... un bonbon que j'aime. Oui, que un, c'est lesquels déjà? Et puis c'est le jeu qui pique. Oui, c'est les. Vous savez, dans le rouleau. Et puis le cube là, comment ça s'appelle? Ah ouais. Bon, après, c'est des céréales, là, ça reste du sucre. Je sais que c'est pas très bon, mais bon, pour la santé, mais faut en chier. Ça dépanne. Hein, ça dépanne. Hein. Ouais, ils sont bas, hein? Ouais. Mais bon, on va savoir. On va manger. Oui, voilà ce que j'allais dire, on va pas manger maintenant, putain, bordel. Et puis santé. On n'est pas parfait, les amis. Hein? Oui, c'est au frigo, cela de jus. Bon, allez. Il y a quand même pas mal de choses à faire. Les douches, l'aspirateur, le patin, le coussin. Moi, je vais prendre le petit bain. J'ai... Ah bon? Voilà. Oh. Ouais, bah maintenant. Oh, il est 5h20. La dernière fois qu'il a pris le bain tard comme ça, ça n'a pas été, mais bon. Faut que je trie aussi là. Regardez, j'ai une tonne. Enfin, faut que je trie. J'ai plein de blousons qui vont plus à Nathan. Ah là, j'ai les pantalons de combi qui vont plus à Nathan. Son blouson orange, là, je vais le mettre aussi, parce qu'il ne met plus et qui va avec ça. Il ne met plus, là, je vous laisse imaginer tout ça, c'est des trucs à Nathan qui vont plus. Voilà. J'ai une tonne de choses. Je ne sais pas quoi faire, si j'attends la vente de garage, j'essaye de vendre. Plus j'ai le vélo et la trottinette aussi. Vélo trottinette, faut que je prenne en photo, je mette sur Kijiji, que j'essaye au moins de le vendre déjà à part, mais le reste, je sais pas si j'attends de le vendre de garage ou si j'ai fait des trucs que j'aimerais vendre, d'autres trucs que j'aimerais donner aux gens dans le besoin. Mais voilà, sur le même problème, je veux donner à quelqu'un vraiment dans le besoin. Du coup, comme je connais personne, ça me saoule. Je vois des fois des posts passer sur Facebook, mais la dernière fois, je me vois plein qui se plaignent. Oh, ben super, je croyais à donner à quelqu'un qui était dans le besoin, et au final je le revois qu'elle revend les trucs et tout, donc j'ai pas envie que ça me fasse un truc comme ça, je veux vraiment donner quelqu'un, voilà. Et il faut encore, j'ai encore plein d'habits dans les tiroirs d'attente qu'il faut encore je trie, plus des jouets, donc voilà. Bon, sur ce, je les ai mis, je vous laisse. Ça a foiré, les amis. Nathan s'est rappelé qu'on avait pris ça, et bon, impossible de pas lui... Non, mais l'eau elle est très chaude. Ouais, mais ça a collé. Attends, 10 ou quelques minutes. Donc j'en ai donné une capsule. Donc on l'a mis dans l'eau chaude. On va voir ce que ça donne après, ok? Comment ça se déplie? Ah bon? Je vois le trou. Oh, voilà! C'est quoi? C'est la pieuvre? Attends, on va voir. Voilà! Et voilà! C'est une jolie pieuvre! Prends-la. Voilà, là on voit bien la pieuvre. Mais attends, prends-la, je la montre. Ah oui, c'est une mousse. C'est joli, hein? Ouais. Ah, j'ai accroché le fil. Coco crevette! Chérie, dans la vie! Au fait, je vous ai pas dit, mais ça va être encore un long vlog, excusez-moi. Ou je filme pas, ou j'ai trop de choses à dire. On a fini de regarder Walking Dead, c'est fini là. Maintenant, il faut attendre le mois d'octobre, la saison. Mais là, il a recommencé Fear Walking Dead, et honnêtement. La première, deuxième saison, on a eu du mal, mais on s'est accroché. La troisième saison, donc la dernière, c'était une tuerie limite meilleure que Walking Dead. Et là, donc la saison 4 a commencé. On a l'épisode de la semaine dernière à regarder qu'on n'a pas regardé. Donc ce soir, on se mate ça. Non, on a vraiment plein de choses. La saison 4, oui, c'est vrai. Oui, mais là, on en est à la 4. Ouais, bon, il y a beaucoup de choses à faire, les amis. Une tonne de légumes à éplucher, il y a toutes les douches à prendre. Ah, on vous laisse. Ciao. Maman, c'est trop cool, hein?
les amis, le sport m'enchanté. Bon, ça c'est pas en lanière, mais c'est trop bon. En fait, j'avais tout coupé à la mandoline. Les courgettes. Passer au four avec du assaisonnement et du riz, on se régale, pas vrai? Ouais. Mais attends, moi, il a que du riz. Bon appétit tout le monde! Bon appétit tout le monde! On s'est régalé. On va manger un chocolat. D'accord? Nathan, mon lit, ça va pas. Regardez. Quoi? T'as vu l'état de mon lit? Il faut ranger. Hein. Non. Je vais aller prendre ma douche, les amis. Sur ça, je vais clôturer. On a encore beaucoup de choses à faire. Faut qu'on prépare. Ah ben non, je sais pas. On doit acheter pour faire le pique-nique pour demain. Qu'est-ce qu'il me pond, Fred, là? Ah, j'ai envie d'aller à IGA au métro acheter. Acheter, qu'est-ce que j'ai là? Acheter du tout fait. Ah, tout acheter pour. 90$ aux courses et la moitié c'est pour le pique-nique. Ouais, c'est gueule, mais. Bref, vous verrez bien demain. Donc je clôture là. Je vous souhaite une bonne soirée. Nous, après on va se caler. Film et tout ça, tout ça. Oui. Pas toi. Et je vous souhaite. Je sais qu'est-ce que vous allez regarder. Quoi? Mais attends, viens là. Maman, je sais qu'est-ce que vous quoi? Allez regarder. Regarde, je vais te faire un exemple. Ah là, t'es long. Bon, je coupe la caméra. Les zombies. Mon bébé. Donc, et puis je vous emmènerai avec nous demain. Donc voilà, gros bisous, bye. Bon, moi j'ai retrouvé une vidéo.